Jesus vai me. Aleluia. Aleluia. Jesus vai me. We know that Jesus loves us so much. Nous savons que Jésus nous aime tant. Because he is love. Parce qu'il est amour. And he loves all of us. Et il nous aime chacun de nous. But when you start loving Jesus, everything changes. Mais quand vous commencez à aimer Jésus, tout change. When you feel love to Jesus, everything changes. Quand vous ressentez l'amour pour Jésus, tout change. Bible scholars say. Les savants de la Bible nous disent. Three people could not sleep when Jesus died. Il y a trois personnes qui ne pouvaient plus dormir quand Jésus est mort. Mother Mary, la Sainte Vierge Marie, Saint John, Saint Jean, Mary Magdalene, et Marie Madeleine. Most important, le plus important, is Mary Magdalene. La plus importante, c'est Marie Madeleine. She could not sleep. Elle n'arrivait pas à dormir. Because the one whom she loved is died. Parce que celui qu'elle aimait était mort. If she got a chance, she could have been inside that tomb. Si elle le pouvait, elle serait entrée dans le tombeau avec lui. Because there was a time she was stoned to death. Parce qu'il y a un moment où on voulait la lapider. The whole world was against her. Et tout le monde entier était contre elle. And it was this Jesus who gave her another life. Et c'est ce Jésus qui lui a donné une nouvelle vie. So for her to live is to live for God. Donc pour elle, vivre signifie vivre pour Dieu. So she lost meaning in her life in the absence of Jesus. Donc en absence de Jésus, elle avait perdu le sens de sa vie. Today as we are here, aujourd'hui, pendant que nous sommes ici, we always have such a story in our life. Nous aussi, nous avons des histoires pareilles dans nos vies. He gave us another life. Il nous a donné une nouvelle vie. He gave us a new identity. Il nous a donné une nouvelle identité. And we are indebted to him. Et nous sommes endettés envers lui. When we find that link in your life, when Jesus touched you, and when you remember it every time, you can never betray him. You can never depart from him. Si nous nous souvenons tous les jours, chaque fois que nous nous rappelons le moment où Jésus nous a touchés et nous a changé notre vie, alors nous ne pourrons jamais le trahir ni jamais l'abandonner. We have to do just one thing. Nous devons juste faire une chose. Love him. L'aimer. And if we love him, et si nous l'aimons, what happens? Qu'est-ce qui va se passer? John 91, 14 and 15. John? Psalms 91, 14 and 15. Le psaume 91, 14 et 15. Those who love me, I will deliver them. Ceux qui m'aiment, je vais les délivrer. I will set them free from all calamities. Psalm 91, 14 and 15. Okay. Le psaume 91, 14 et 15. Puisqu'il s'attache à moi, je l'affranchis. Je l'exalte, puisqu'il connaît mon nom. Il m'appelle et je lui réponds. Je suis près de lui dans la détresse. Je le délivre et je le glorifie. It is his promise. C'est sa promesse. Those who love, when they call to him, he will answer him immediately. Ceux qui aiment Dieu, quand ils l'appellent, il va leur répondre immédiatement. When we come to know, quand nous apprenons he knows everything. Qu'il sait tout, our life changes. Notre vie va changer. When we come to know, quand nous apprenons, he knows everything that we have done and he forgives us, everything changes. Qu'il sait tout ce qu'on a fait dans notre vie et malgré cela il nous a pardonné, alors tout va changer. We just read in the gospel today. Nous venons de lire dans l'évangile d'aujourd'hui about Nathanael. À propos de Nathanael. Philip is taking Nathanael to Jesus. Philip amène Nathanael à Jésus. And Jesus looked at him and told him. Et Jésus l'a regardé et lui a dit, I saw you under the fig tree. Quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanael was shocked. Et Nathanael était choqué. What does the fig tree symbolize? Que symbolise le figuier? The Jewish people laid the Torah, the Old Testament, the Pentateuch. They read the Bible under the fig tree. Nathanael was
praying under the fig tree. Les Juifs avaient l'habitude de lire la Torah sous le figuier. Donc Nathanaël était en train de prier sous le figuier. Jesus is telling, I saw you praying before you were born. Donc Jésus disait à Nathanaël, je t'ai vu prier devant ton Dieu. Nathanaël was so shocked. Et Nathanaël était choqué. He started to believe that this is a prophet. Et il a cru qu'il était un prophète. Then Jesus went on further. Et Jésus est allé encore plus loin. And he said, et il a dit, my son, mon fils, I know even what you were reading. Je sais même ce que tu étais en train de lire. You were reading the passage of Jacob. Tu lisais le passage de Jacob. That the angels are going up and coming down in the ladder. This is the ladder that Jacob saw in the vision. This is exactly what Nathanael was reading. This is what Jesus told Nathanael. Ce que Jésus a dit à Nathanaël, c'est ce qu'il était en train de lire dans la Bible, qu'il avait vu les anges monter et descendre sur une échelle, et c'était ça la vision de Jacob. Et à ce moment-là, il est devenu un disciple. Today, as we are here, aujourd'hui, pendant que nous sommes ici, we know that the Lord knows everything about us. Nous savons que Dieu sait tout sur nous. His eyes can see everything. Et ses yeux peuvent tout voir. I have a testimony. J'ai un témoignage. I was invited for a retreat in Barcelona in Spain. J'étais invité pour donner une retraite à Barcelone en Espagne. This was the first time. C'était la première fois. I was invited by the Augustinian contemplative nuns. J'étais invité par les religieuses contemplatives de Saint Augustin. I was in Rome and I was invited to go to Barcelona. J'étais à Rome et on m'a invité pour aller à Barcelone. So the sisters had booked my ticket. Et les religieuses avaient réservé mon billet. So I reached Barcelona. Je suis arrivé à Barcelone. But I had forgotten to carry their phone number. Mais j'avais oublié de noter le numéro de la personne, le numéro de téléphone. I thought they will be already there because they have booked my ticket. Je me disais qu'elle serait déjà à l'aéroport parce que c'est elle qui avait réservé mon billet. I came out of the plane. Donc je suis sorti de l'avion. I came out of the terminal. Je suis sorti dans le terminal. Nobody is there. Il n'y avait personne qui était là. All those who landed the flight have all gone with different people. Tous ceux qui étaient sur le vol avec moi, ils étaient déjà partis. I checked all around, nobody is there. Je regardais autour de moi et il n'y avait personne. One and a half hours. Une heure et demie. I was waiting and waiting. J'étais là, j'attendais et j'attendais. In the past, I used to get upset. Dans le passé, je devenais triste. Mais après une expérience avec Dieu, I never complained. Je ne me plains plus. I thought that's the opportunity to pray. I started to pray continuously. Donc je me suis dit c'était peut-être une opportunité pour prier, donc j'ai commencé à prier. After one and a half hours, après une heure et demie, a man came to me. Un homme est venu me voir. A very tall gentleman. He's Spanish. Et c'était un Espagnol très grand. Because they all speak Spanish. Et ils parlaient tous espagnol. But strange enough, he was speaking English. Mais c'est étrange parce que lui, il parlait anglais. He asked me, "Are you Shibu Sebastian?" Il m'a demandé, "Est-ce que vous êtes Shibu Sebastian?" That's my passport. C'est le nom sur mon passeport. He asked, "Did you born in Kerala?" Est-ce que vous êtes né au Kerala? I said, "I'm born in Kerala." Je dis oui. So he asked all the details. Donc il a demandé tous les détails. Exactly what's in my passport. Tout ce qui était marqué sur mon passeport. Then I thought he's sent by the sisters. Donc moi je me suis dit qu'il a été envoyé par les religieuses pour me prendre. Then he asked me. Alors il m'a demandé. So you have broken your hand twice. Alors vous avez fracturé votre main deux fois. So you have broken your hand twice. Vous avez fracturé votre main deux fois. I looked. Je regardais. And he disappeared. Et il avait disparu. It was Jesus. C'était Jésus. Nobody knows. Il n'y a personne qui sait. I broken my hand. Que j'ai fracturé ma main. Not once, twice. Non pas une fois, mais deux fois. It was the most painful incident in my life. Et c'était l'événement le plus douloureux de ma vie. In Barcelona. Et quand j'étais à Barcelone, when I was left alone, quand j'étais tout seul, when I felt rejected, et je me sentais rejeté, when I thought I don't know what to do, et je ne savais pas quoi faire, the Lord is telling, Jésus me disait, my son, mon fils, I'm around, je suis autour de toi, I know you, je te connais, don't worry, ne t'inquiète pas, I will never leave you orphan, parce que moi je ne te laisserai pas orphelin. Then I saw two sisters coming running, alors j'ai vu deux religieuses venir en courant, with their Augustinian habit, avec leur habit. They came and they started to apologize. Elles sont venues et elles ont commencé à demander pardon. They said, "Father, we are very sorry. Dit, mon père, pardonnez-nous. We are condemned by the case.
Et nous sommes les contemplatifs. Use cell phone. Nous n'utilisons pas de téléphone. We never travel. Et nous ne voyageons jamais. We don't go to the airport. Nous n'allons jamais à l'aéroport. We started very early. Nous avons commencé très tôt. But we lost our way. Mais nous nous sommes perdus. We could not get a parking place. Nous n'avons pas eu un parking. We made round and round. Nous avons fait des tours et des tours. We are very sorry, forgive us. Pardonne-nous. I said, don't worry. Je leur ai dit, ne vous inquiétez Thank pas. You for coming late. Merci d'être venu en retard. Parce que j'ai fait une expérience avec Jésus. My dear sisters and brothers, mes chers frères et sœurs, this Jesus of ours, ce Jésus, notre I Jésus, say from my heart, je vous dis de tout mon cœur, is so real. Il est réel. He is sad when he was sad. Il est triste quand vous êtes triste. Any incident that has taken place in your life that was painful, he noticed this. Tout événement douloureux que vous avez vécu dans votre vie, il était là. He's not an idea. Jésus n'est pas une idée. He is a person. Il est une personne. He's not a power. Ce n'est pas un pouvoir. He is God. Il est Dieu. He has eyes. Il a des yeux. He has ears. Il a des oreilles. He has tongue. Il a une langue. He has hands. Il a des mains. He has feet. Il a des pieds. Hebrews 4:15-16. We do not have a high priest who is unable to sympathize in our weaknesses. Hébreux chapitre 4 versets 15 et 16. Car nous n'avons pas un grand prêtre impuissant à compatir à nos faiblesses. Lui qui a été éprouvé en tout, d'une manière semblable à l'exception du péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour une aide opportune. He knows our weaknesses. Il connaît toutes nos faiblesses. And he is always with us. Et il est toujours avec nous. Human beings can pretend. Les êtres humains peuvent faire semblant. But not Jesus. Mais pas Jésus. If Joseph is angry with me, si Joseph se met en colère envers moi, I call him Joseph. Et je l'appelle Joseph. He can pretend he has not heard me. Il peut faire semblant de ne pas m'écouter. But if I call Jesus, mais si j'appelle Jésus, he's here. Il est là. Il ne peut pas faire semblant. Il ne peut pas se mettre en colère. Because he is gentle and meek. Parce qu'il est doux et humble. He's so real. Et il est réel. He himself said, lui-même a dit. Jérémie 33:3. Call to me and I will answer you. Appelle-moi et je vous répondrai. If you seek me, you will find me. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses grandes et cachées si tu ne sais rien. Jérémie 29:13. You will seek me. But when you seek me from your heart, I will let you find me. Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me rechercherez de tout votre cœur. This is our God. Voilà notre Dieu. He is so close to us. Il est très près de nous. Anyone who is seeking him, quiconque le cherche with a genuine heart, avec un cœur sincère, they will find him. Va le trouver. And what's important for God, et ce qui est important pour Dieu, that we are available for him, c'est que nous soyons disponibles pour lui. In whatever situation we are, dans n'importe quelle situation que nous vivons, he never overlooks the good works we are doing for him. Il n'ignore jamais les bonnes œuvres que nous faisons pour lui. Hébreux 6:10. Hébreux chapitre 6 verset 10. The Lord is not unjust to overlook the good works we have done for his sake. Car Dieu n'est point injuste pour oublier ce que vous avez fait et la charité que vous avez montrée pour son nom, vous qui avez servi et qui servez les saints. Galatiens 6:9-10. Nous lisons dans Galates chapitre 6, versets 9 et 10. Therefore, let us never be tired of doing good. Ne nous lassons pas de faire le bien, en son temps viendra la récolte, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, tant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien à l'égard de tous et surtout de nos frères dans la foi. Saint Paul is teaching us. Saint Paul nous apprend. Don't be tired. Ne vous lassez pas. Of praying. De prier, of preaching, de prêcher, of doing good. De faire le bien. Why does he say that? Pourquoi est-ce qu'il dit cela? Because he himself felt tired. Parce que lui-même, il se sentait fatigué. You can't just continue to serve God. Vous ne pouvez pas continuer à servir Dieu. When you continuously get negative impacts.
Si vous avez toujours de retour négatif. You cannot continue praying. Vous ne pouvez pas continuer à prier. When you don't have any external manifestations of God. S'il n'y a pas de manifestation extérieure de Dieu. That is why we should know how God works in our life. We should remember with gratitude His interventions in our life. C'est pour cela que nous devons savoir comment Dieu œuvre dans nos vies et nous rappeler avec gratitude tout ce qu'il a fait dans notre vie. What's most important for God? Ce qui est le plus important pour Dieu. Is not your work. Ce n'est pas votre travail. But your availability in His presence. Mais votre disponibilité en sa présence. That no one misguides. Que personne ne nous trompe. Prayer is more important than preaching. La prière est plus importante que la prédication. Prayer is more important than any charitable activity. Et la prière est plus importante que toute œuvre de charité. To have faith in Jesus is more important than any number of works we do. Avoir la foi en Jésus est plus important que toute œuvre que nous pouvons faire. The most educated Pharisees asked Jesus a question. Les pharisiens les plus érudits ont demandé à Jésus. This is also our question. Et ça, c'est aussi notre question. This is John chapter 6, verse 28. C'est dans Jean chapitre 6, verset 28. They said to him, et ils lui ont dit, what must we do to perform the works of God? Ils lui dirent alors, que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? It was all about doing some works for God. C'était à propos de faire des œuvres pour Dieu. They thought God will be happy if they do so many different works for Him. Parce qu'ils se disaient que Dieu allait être content s'il travaillait pour lui. And Jesus gave a different answer. Mais Jésus a donné une réponse différente. Jesus answered them. Jésus leur répondit, this is the work of God, l'œuvre de Dieu, that you believe in Him whom He has sent. C'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Is it a work to believe in Him? Est-ce que c'est une œuvre de croire en lui? It's all about our availability to God. Donc tout cela c'est à propos de notre disposition à Dieu. Dieu soit loué. Alléluia. Alléluia. Dieu soit loué. I have another testimony. J'ai un autre témoignage. That I have learned something different from God. J'ai appris une chose différente de Dieu. This was when I was in Rome. Ça, c'est quand j'étais à Rome. I was staying in a community. J'étais dans une communauté. So it was a community that was rebuilt. C'était une communauté qui avait été reconstruite. So the chapel was not being repaired. Et la chapelle n'était pas encore préparée. So I asked the priest in charge to put a blessed sacrament so that I can pray. Alors j'ai demandé au curé qui était responsable si je pouvais avoir le Saint Sacrement quelque part pour pouvoir prier. So he brought a new small tabernacle. Donc il a amené un tabernacle, une petite tabernacle. But they had no candles. Mais il n'y avait pas de cierge. So I told him, Father, can we buy some candles? Alors je lui ai dit, mon père, est-ce qu'on peut acheter des bougies? So he brought small candles. Donc il a amené de petites bougies. So it finished in 2-3 days. Et les bougies étaient épuisées en 2 ou 3 jours. Then I became very sad. Et j'étais triste. I was very new in Italy. Parce que c'était ma première fois en Italie. I did not know Italian. Et je ne parlais pas l'italien. I don't know how to buy the candles. Je ne savais pas comment aller acheter des bougies. But I was not comfortable to ask the priest to buy always new candles. Et je me sentais gêné pour demander au prêtre à chaque fois d'acheter des cierges. Because I was staying there as for rent. Parce que moi j'étais là, je louais une place. Then I prayed to Jesus like this. Alors je priais à Jésus ainsi. Jesus, I am very sorry. Jésus, je te demande pardon. But I can't even put a new candle. Parce que je ne suis même pas capable de mettre des bougies. Can I go and ask the superior to buy a new candle? Est-ce que je peux aller demander au prêtre supérieur d'acheter des cierges? Because I want to give you a very good candle. I want to give you a very good candle. Ah, parce que je vais te donner une très bonne bougie. I want to light candles in front of you. Et je vais allumer des cierges devant because toi. Because I love you, I want to respect you. Et comme je t'aime, je vais te respecter. Can I go and ask the priest? Puis-je aller demander au prêtre? Then I heard Jesus talking to me. Et j'ai entendu Jésus qui me parlait. He told me like this. Et il m'a dit, my son, mon fils, do you think, penses-tu, I will be very happy que je serai très content when you put a candle in front of me? Quand tu mets des cierges devant moi? I need you. Moi, j'ai besoin de toi. To sit in front of me. Que tu t'asseyes devant moi. Don't run away by putting a candle in front of me. Ne t'en va pas à la recherche de bougies à mettre devant moi. I need you more than a candle. Moi, j'ai plus besoin de toi que de ces bougies. I need you, not the candle.
J'ai besoin de toi, pas de ces bougies. I love you. Je t'aime. I want to see you. Je veux te voir. I need your availability. Et je veux ta disponibilité. No candle can make me happy. Aucune bougie ne peut me rendre heureux. You are more precious to me than a candle. Tu es plus précieux pour moi qu'une bougie. The Lord put inside my heart. Et le Seigneur a mis dans mon cœur. What's important in our life? Que ce qui est le plus important is to be available for him. C'est d'être disponible pour lui. Then he does everything. Et alors il fait tout. Matthieu chapitre 6 verset 33. Search for his kingdom and his righteousness. Everything else will be added unto you. Cherchez d'abord son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. God respects injustices a lot. Le Seigneur respecte beaucoup les personnes qui prient des prières d'intercession. The prayer warriors are the ones who are holding this earth for God. Les combattants sont ceux qui sont en train de tenir ce monde pour Dieu. The Lord revealed to Saint Maria Faustina Kowalska that how much the Lord is protecting this world because of intercessors. Et le Seigneur a révélé à Sainte Faustine Kowalska qu'il protège ce monde à cause des prières d'intercession. Our call is Isaiah 62:6-7. Et notre appel c'est dans Isaïe chapitre 62. Versets 6 et 7. In this beautiful country, Martinique. Dans ce pays magnifique de la Martinique. What the Lord has assigned us to do for? Qu'est-ce que le Seigneur nous a appelé à faire? Isaiah 62:6-7. Isaïe 62:6-7. Upon your walls, O Jerusalem, I have posted sentinels all day and all night. They shall never be silent. You who remind the Lord, take no rest, and give him no rest, until he establishes Jerusalem and makes it renowned throughout the earth. Sur tes remparts, Jérusalem, j'ai posté des veilleurs, de jour et de nuit, jamais ils ne se tairont. Vous qui vous rappelez au souvenir de Yahvé, pas de repos pour vous. Ne lui accordez pas de repos, qu'il n'ait établi Jérusalem, et faites d'elle une louange au milieu du pays. We are the sentinels appointed in this Martinique. Nous sommes les veilleurs que Dieu a postés ici en Martinique. So what we are supposed to do? Alors qu'est-ce que nous devons faire? Jeremiah chapter 5 verse 1. Jérémie chapitre 5 verset 1. Run to and fro through the streets of Jerusalem. Look around and take note. Search its squares and see if you can find one person who has justice and seeks truth. So that I may pardon Jerusalem. Parcourez les rues de Jérusalem. Regardez donc, renseignez-vous. Cherchez sur ces places si vous découvrez un homme, un qui pratique le droit, qui recherche la vérité. Alors je pardonnerai à cette ville. How to interpret this scripture? Alors comment interpréter cette parole de Dieu? Run to and fro through the streets of Martinique. Parcourez les rues de la Martinique. Search its squares. Regardez donc. And see if you can find one person. Et si vous découvrez un homme who seeks justice. Un qui pratique le droit. So that I may pardon Jerusalem. So that I may pardon the people of Martinique. Alors je pardonnerai au peuple de la Martinique. For your sake. À cause de vous. For just a small single person like you. Pour une seule personne comme vous. You can bring multitude of blessings upon this nation. Vous pouvez amener une multitude de bénédictions sur cette nation. Because he respects our intercessors so much. Parce qu'il respecte les intercesseurs beaucoup. The Lord told Nathaniel, I respect you because I saw you praying under the fig. Le Seigneur a dit à Nathaniel, je te respecte parce que je t'ai vu prier sous le figuier. No prayer goes in vain. Il n'y a aucune prière qui est en vain. Where we live in a confused world. Nous vivons dans un monde qui est dans la confusion. Where prayer has no value. Où il n'y a plus de valeur dans la prière. Where our physical fitness is more important than our soul. Où notre forme physique est plus importante que notre âme. And the Lord is lifting you as sentinels. Et le Seigneur vous poste comme des veilleurs. Prayer warriors and soldiers. Comme des combattants, comme des soldats. To fight for him. Pour combattre pour to continue to pray, continuer à prier, and to persevere in his grace,
pour persévérer dans cette grâce. Jésus soit loué. Alléluia. Alléluia. Jésus soit loué. Merci.